Vous savez que la batterie d'iPhone, pendant longtemps, les a clashés. Mais là, ils ont créé une masterclass. Hein. Le dernier iPhone, je recharge tous les 4 jours, les gars. Je recharge mon téléphone tous les 4 jours. Vous vous rendez compte ou pas? Alors qu'avant, tous les jours, tu rentres, tu vas te coucher, tu connectes ton truc et voilà, tu vois. Là, mon téléphone, moi, il tient 4 jours avec mon utilisation que j'ai. Alors que l'ancien, c'était genre une fois par jour, tu vois. Comment, wesh? Mais je sais pas. Mon téléphone tient 4 jours. Après, je me sers pas beaucoup de mon téléphone, moi. Mais quand même, 4 jours, c'est énorme. Genre, je traîne quand même un peu sur TikTok. Temps d'écran. Attends, je vais regarder. Comment on fait pour voir temps d'écran? Je vais vous dire combien j'ai. Mais vraiment, je suis choqué. Genre, vraiment, tous les 3-4 jours, je le recharge. Temps d'écran. Attends, je vais taper sur la barre de recherche. Ça se trouve, ça va me le proposer. Temps d'écran. Dans paramètres. Vas-y, je vais regarder. Attends. Paramètres. Et après, c'est dans quoi? Réglage, temps d'écran. Écran d'accueil, général, App Store, unité affichage. C'est dans quoi, chat? Quelqu'un sait le truc ou pas? Je vais regarder, je veux voir. Dans général, peut-être? Dictionnaire. VPN, tu peux avoir un VPN sur l'iPhone, je savais même pas. Temps d'écran dans le Finder? Bah, ça ne trouve pas, justement, dans le Finder, temps d'écran. Attends, je vais chercher dans les réglages, temps d'écran. Ok, dans les réglages, ça me le trouve. Temps d'écran, moyenne quotidienne, 1h25. Putain, j'ai bien diminué quand même, hein. J'ai bien diminué. Forcément, il tient bien. Ah, ça vient de se mettre à jour. 1h33. Je suis à moins de 33% d'utilisation de mon téléphone par rapport à la semaine dernière. Je suis à 7 heures par jour. Mais en fait, j'ai eu... depuis que j'ai eu la révélation... attends, on peut voir la répartition ou pas? Voir toute l'activité. Mon gros d'utilisation, c'est Twitter. Et deuxième ex-aequo, WhatsApp. Voilà. Là... sur 10 heures dans une semaine, j'ai 7h30 de réseaux sociaux, 42 minutes de gestion de mes finances. Pff, aucune idée de ce que c'est. Je pense que c'est quand j'achète des trucs sur Dofus, ils doivent cumuler. Et ouais, non, temps d'écran, j'ai réduit à 1 heure de TikTok dans la semaine. Alors qu'il y a une époque où je faisais 1 heure, mais par jour, je pense vraiment. Genre, j'étais comme ça et je scrollais comme un abruti dans mon lit pendant 10 ans. Pour rien, genre pour bouffer du vide comme contenu, qui t'enrichit pas, tu vois. Et bah en fait, j'ai dû diminuer mon temps d'écran depuis que j'ai commencé à lire, hein, je crois vraiment, no fake, les gars, je vous promets, c'est vrai. Je crois que j'ai remplacé mon temps d'écran par du temps de lecture. C'est tellement mieux. 1 heure TikTok par semaine, bien joué. Bah 1 heure TikTok, ça doit vouloir dire que je passe 1 heure dans ma semaine à chier, je pense. C'est ma théorie. Ma théorie, c'est que je passe 1 heure à chier dans ma semaine. Je ne suis sur TikTok que quand je vais aux chiottes. Parfois, je pisse assis pour scroller un peu, genre. Parfois, je pisse assis pour scroller un petit peu. Mais voilà, c'est tout, quoi. Tu deviens un daron, un peu. Non, en vrai de vrai, il y a des jeunes qui sont certainement... Qui ont eu certainement le même cas de conscience que j'ai eu... Enfin, à leurs 20 ans que moi, à mes 30 ans, tu vois. Mais genre, en vrai, le temps d'écran, c'est vraiment du temps perdu inutilement. Genre, faites-vous la réflexion. Faites-vous la réflexion, genre, quand vous prenez votre téléphone, faites votre session de tel et tout, le soir, vous vous posez dans votre lit et vous dites qu'est-ce qui m'a apporté mon téléphone dans ma journée, genre. Quand j'ai fait mes 3 heures de TikTok, qu'est-ce que ça m'a apporté? Vous allez voir que les 3/4 du temps, c'est rien. Il y a une époque où je scrollais TikTok, je faisais que me marrer. Maintenant, c'est fini, tout ce que je fais, c'est de la merde. Et je vous jure, t'es mieux à jouer à des jeux qui te plaisent et à lire des trucs qui te plaisent, regarder des séries qui te plaisent, des trucs comme ça. Juste être sur ton téléphone à scroller, quoi. Parfois, je ferme Instagram pour réouvrir Instagram littéralement à la même seconde. Moi, je fais tout le temps ça. Enfin, je le faisais tout le temps, du coup, je le fais plus. Une heure d'écran par jour, c'est rien. Mais genre, ouais, moi, une période, tu sais, j'ouvre Twitter, je regarde, je scroll comme ça, je fais la manip pour faire les Twitter, et après, je reclique sur l'icône. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, vraiment. Et je sais qu'on le fait tous, mais en fait, c'est des mécanismes, en vrai de vrai. Si tu réfléchis 2 minutes, ça craint d'avoir ça comme mécanisme. C'est vraiment débile. Genre, tu poses ton téléphone à la fin et tu dis, mais putain, je n'ai rien appris, j'ai rien fait, genre. J'ai rien fait, rien appris. Là, quand je finis mes journées, j'ai fait des trucs qui m'ont été bénéfiques. J'ai avancé dans mes jeux vidéo comme je voulais. J'ai avancé dans mes livres comme je voulais. J'ai avancé dans mes séries. J'ai passé du temps à parler avec ma chérie, enfin, tu vois. Genre, c'est con, mais en vrai de vrai... Les 4 heures que je pouvais avoir de mon téléphone avant, bah c'était 4 heures qui m'empêchaient de faire tout ce que je viens de citer, tu vois.
t'es quand même mieux à faire ce que je viens de citer qu'à être sur ton téléphone à scroller bêtement, tu vois. Je sais pas trop. En tout cas, j'ai un peu lâché le tel et ça fait du bien. Perso, mon TikTok, j'aime bien, j'ai des recettes et tout, je les enregistre pour les faire, pour jamais les faire. Ouais, d'accord, on est tous pareils, hein. On est tous pareils. Faut vraiment qu'on décroche. Je te jure, les téléphones, pour de vrai, c'est toxique. Genre, avoir ton téléphone pour regarder Twitch, YouTube, des trucs comme ça, je trouve que c'est pas pareil. Twitch, YouTube, Netflix, ce que tu veux, c'est pas du temps perdu, tu sais. C'est du temps où tu nourris ton cerveau d'un divertissement, donc ça va. Mais vraiment, le fait de scroller les réseaux sociaux et TikTok, ça vraiment, c'est... Enfin, pour de vrai, ça, c'est inutile. Je trouve, hein. C'est comme la cigarette, j'ai l'impression. Bah, c'est possible, il y a une dépendance, hein. Il y a une dépendance à ça, en vrai. Après, sur les 90 heures semaine, j'ai 20 heures sur YouTube. Oui, voilà, tu vois, si tu consommes du divertissement sur YouTube et tout ça, enfin, des trucs qui te font du temps d'écran, mais que tu pourrais faire sur un PC, parce que moi, si on prend... Ça, c'est mon temps d'écran téléphone. Tu prends mon temps d'écran PC, les gars, je suis à plus de 10 heures par jour, hein, je pense. Je dois être à 6-10 heures par jour. Et encore, peut-être plus. Donc ça va, tu vois. Mais je veux dire, j'ai enlevé toute la partie abrutissante que je faisais sur mon téléphone, on va dire. C'est juste, j'ai juste enlevé de ma liste des trucs que je faisais le fait de scroller bêtement sur les réseaux. Et TikTok en fait partie, tu vois. C'est juste ça. Mais je joue toujours autant. Je navigue toujours autant sur mon PC pour lire des actus, regarder YouTube, tu vois, ce genre de trucs. On flingue nos yeux si fort. Ouais, par contre, on termine nos yeux. Moi, je vois qu'entre le début de cette année et maintenant, j'ai une vue moins bonne qu'avant. Premier degré, sûr. Et il faut que je me reprenne des lunettes et que je stream avec. Il faut que je trouve des lunettes qui me plaisent. Genre où j'ai pas l'impression d'être un putain de premier de la classe comme celle-là, là. Il faut que je trouve des lunettes qui me plaisent. Et il faut que je stream avec mes lunettes tout le temps. Parce qu'on se termine les yeux. On se termine les yeux, vraiment. C'est horrible. Mais bon, tu vois, je peux pas... Enfin, je sais pas. Genre, t'es mal à ma gueule, quoi. C'est trop moche. Moi, je les aime pas du tout, celle-là. Faut que je me trouve des lunettes qui me donnent envie de porter des lunettes. Oh ah, elles sont belles, tes lunettes. Moi, je les aime pas. Je les aime pas. Mais j'ai tout dessus. J'ai le filtre écran bleu et tout. C'est, elles sont aux petits oignons. Je sais pas si ça se voit, l'espèce de filtre bleu qu'il y a dessus. Non, on voit pas trop à la cam, j'ai l'impression. Non, on voit pas vraiment. Mais bref, je les aime pas trop, tu vois. Mais faudrait que je me fasse... En fait, faudrait que je fasse comme j'avais fait pour mes lunettes de soleil. Genre en mode, je vais chez un lunetier. Genre, pas un truc en mode, tu vas chez Chris, t'as la même lunette que tout le monde et tout. Genre, je pense que je vais retourner chez un lunetier comme j'avais fait pour les lunettes de soleil. Et que je vais dire, voilà ma gueule. Qu'est-ce qu'il me faut comme lunette pour que ça m'aille au top? Genre, que ça m'aille bien, tu vois. Faut que je fasse un truc comme ça. Ouais, Yoshi, moi, c'est pareil. Hein. Par contre, à chaque fois que je prends des nouvelles lunettes et tout, je vois mal. J'ai la mal à la tête. Je me fais des migraines ophtalmiques et tout. C'est un putain d'enfer, genre. Je photographe et je passe des heures de retouche devant un écran. J'ai la même réflexion et je peux pas mettre de lunettes car ça alterne les couleurs. Bah, en vrai, Laurie, tu prends des lunettes. Non, en vrai de vrai, ça va. Je trouve. Si ça alterne les couleurs, c'est parce que tu prends le filtre bleu qui donne une teinte jaune à tes lunettes. Et là, dans ce cas-là, oui. Mais comment? Tu peux très bien prendre tes lunettes pour faire la partie des les retouches éclairage et tout ça. Et une fois que t'as fini les retouches éclairage, là t'enlèves tes lunettes pour faire les retouches couleurs, tu vois. Ça prend 2 secondes, au moins tu sauves un peu ton truc. Lunetier, ma mère en sueur. Bah ça se dit lunetier. Mais ça existe, lunetier, les gars. Ça existe, genre. Regarde, hop. Ok, lunetier, fabricant ou marchand de lunettes, voilà, pour tous les débiles qui me reprennent. Alors que j'ai raison et que c'est juste que je leur apprends un mot de vocabulaire, ça existe, chat. Ça existe, un lunetier. Tu peux dire un opticien, si tu vends des lunettes optiques, si tu fais juste des lunettes que tu les fabriques ou quoi, tu es un lunetier. Opticien, lunetier, qu'on dit. Bah, c'est faux. Tu peux être lunetier sans être opticien. Moi, l'endroit où je suis allé faire mes lunettes, c'est pas des opticiens, c'est des lunetiers, genre. Ils te font pas de verre qui te corrige la vue ou je sais pas quoi, tu vois, ils fabriquent les lunettes, c'est tout. C'est opticien lunetier. Tu peux être lunetier sans être opticien. La dernière fois qu'on en a parlé en live, on a eu le même débat. On est allé sur internet, on a fait les mêmes recherches et il s'avère que même si tu es dans le métier, je te jure que regarde sur internet, fais les recherches. Tu peux être lunetier sans être opticien et par contre, tu es opticien lunetier. Mais tu ne peux pas être
tu peux être lunetier tout seul. Ça existe, genre. Et c'est pas parce que vous avez fait des études dedans que ça vous donne raison. Je vous jure, on a fait les mêmes recherches. On a eu le même débat. À chaque fois qu'on parle de lunettes, c'est pareil. Je te promets, va voir. Tu peux être juste lunetier, c'est que tu crées des lunettes. C'est tout. Tu fabriques les montures, quoi. Mon diplôme est aménagement et finition de bâtiment, et pourtant, je suis juste peintre. Bon, c'est pas grave. T'as déjà essayé de laisser pousser ta barbe comme les Vikings? Mais bien sûr que oui, mais c'est juste que là, je l'ai coupé, et j'ai coupé trop court, j'ai été idiot. Je croyais que tu parlais des opticiens, excuse-moi. Non, t'inquiète, aucun souci, mais je parlais des lunetiers, c'est pour ça que je dis le mot lunetier et pas le mot opticien. Le poids des mots, chat, le poids des mots. C'est important d'utiliser les bons mots quand on parle, sinon on se fait pas comprendre, quoi. Opticien, c'est plus l'étude, le travail du verre. Lunetier, c'est les montures, en gros. Bah, de ce qu'on avait fait comme recherche la fois dernière, il me semble que oui. Je crois que oui. Et dans le cas où tu fais les deux, du coup, bah, tu es opticien lunetier. Et attends, ça me laisse une opportunité de remontrer la photo. Tu voulais voir comment j'étais avec une grosse barbe de viking, c'est ça? Regarde, ça c'était au début. Ça, je me rappelle, c'est un autoportrait. Enfin, en gros, je me suis dessiné vite fait au réveil. Donc ça donnait ça. Petit dessin au réveil. Pas trop dégueulasse. Et quand j'avais ma grosse barbe, bah là, c'était, je me rappelle, c'était c'est ma grand-mère qui m'a peint quand j'étais en cosplay roi. Et en gros, j'étais comme ça. Ça m'allait plutôt bien. Franchement, ça m'allait pas mal. Et ouais, désolé les gars. Il y en a, c'est trop des dingueries, hein, les gars. Il y en a vraiment, c'est trop des dingueries. L'IA, vous savez que ça, on l'a fait pour ma meuf hier. Je sais pas, l'offre, elle a dû être finie. Ok. Ah, ben ma meuf m'apprend, du coup, elle devait regarder le live, que là où j'ai fait mes lunettes, ils font aussi des lunettes à la vue. Du coup, eux sont opticiens lunetiers et ça me met d'autant mieux. Mais attends, mais c'est trop bien, du coup. J'y vais, je leur dis, les gars, vous prenez toute ma thune, vous me faites des lunettes de compétition et ils me font les trucs les plus beaux de la Terre, quoi. Ça, c'est une bonne idée, ça. Mais tu dessines? Oui, je dessine. Mais c'est pas moi qui ai dessiné ce que je t'ai montré avant. Bref, ce que je vous disais, c'est que du coup, je vous avais expliqué qu'on avait fait le truc, le truc avec les photos là. Et du coup, je rentre chez moi. Je dis à Johnny, chérie, regarde ce que j'ai fait avec une IA. Regarde comment c'est stylé. Entre le temps où moi je l'ai fait et le temps où elle le fait, le truc devient payant. Je lui fais, c'est pas grave. Écoute, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Je mets 10€ dans son truc. Je lui offre la génération par une IA de ses portraits. Les gars, il n'y a pas... Sur les 500 portraits que ça lui a proposé, il n'y en a pas un seul qui est bien. Tous sont nuls à chier. Mais alors, tous. Après, c'est pas la plus photogénique de la Terre, ma meuf. C'est... je veux dire, j'ai montré des photos de ma meuf à mes modos, déjà. Ils savent. Je leur ai montré 4 photos bien. C'est pas parce que j'ai que 4 photos d'elle. Non, c'est parce que elle est bien que sur 4 photos dans sa vie. Mais quand même, l'IA, elle aurait pu déceler la beauté de ma meuf à travers l'écran, tu vois. Elle aurait pu déceler ça, et non. Toutes les photos sont catastrophiques, l'IA a créé un monstre. Je vous le dis, hein. L'IA a créé un monstre. Elle est très belle, mais bien sûr qu'elle est belle. Bien sûr qu'elle est belle. Et mais je vous ai envoyé les 4 photos où elle est belle. Sinon, toutes les photos, elle est tout le temps comme ça. Il y a soit un œil... Tu vas être là, genre, allez, on sourit pour la photo, tout le monde est comme ça. Tu prends la photo, tout le monde est comme ça, et elle est comme ça. Toujours, genre... Toujours. Ça marche pas sur les photos, ça marche pas. Ça fonctionne pas. Elle y arrive pas. Mais c'est pas grave. Tu sais, tu la prends en photo, tu essaies de la faire sourire, elle fait un petit sourire, et au moment où tu la fais sourire, elle va sourire trop, elle va faire... Et hop, tu prends la photo, elle est comme ça. Je vous jure, c'est l'histoire de sa vie, genre. Du coup, bah, l'IA, on lui a donné les photos qu'on avait, quoi. Les photos, et elles sont, c'est pas les meilleures. Mais bref, écoutez, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, regardez, je m'éteins. Hop. Je me mets dans le noir. J'éteins ça.